Et voici ma plus belle pièce, Mar. La seule statue authentique du légendaire Minotaure. Dommage qu'il ne puisse pas bouger. Oui, quelle excellente idée, Omar. Grâce au cybercom, je vais pouvoir créer mon propre Minotaure. Grand-mère, viens voir. De la Porta m'envoie un email. Incroyable. Il dit qu'il a complètement changé. Qu'il veut nous rendre les pierres sacrées et faire la paix. Grand-mère, le professeur veut faire la paix. Je n'y crois pas une seconde. Attends, t'as pas encore entendu le plus beau? Il veut que je vienne à New York. Il me convie à l'exposition qu'il organise sur l'art de la Crète antique. Eh, mais ça devait être le sujet de mon mémoire. Eh bien, il perd son temps. Attends, grand-mère, il faut que j'y aille. Quoi? C'est ce qu'on appelle se jeter dans la gueule du loup. Je te l'interdis. Nous devons récupérer les pierres sacrées, et De La Porta dit qu'il veut faire la paix. Parce que tu crois encore ce que dit Ramon? En tout cas, c'est une occasion que nous devons saisir. D'ailleurs, j'ai un plan. Tu m'écoutes? Voici comment le musée est organisé. Le système de surveillance risque de nous créer des problèmes. Ouais, mais tous les musées en ont un. Celui-ci est relié à un ensemble de systèmes dont les fonctions ne sont pas indiquées. Je n'aime pas ça du tout. Ramon n'oserait rien tenter contre moi en public. Non, Jason. Contre nous. Car, vois-tu, où tu iras, nous irons. Si on peut récupérer les pierres, alors il faut y aller. D'accord. Mais il faudra rester en contact. C'est quoi, un poudrier? Oh, ça, c'est un concentré d'électronique. Connectez-le au réseau du musée dès que vous serez arrivé sur les lieux. Ainsi, je connaîtrai votre position exacte et j'aurai accès au système de sécurité. Non. Et ceci? Cet appareil permettra à Tan de rester en contact constant avec moi et Jason. Les services de la météo annoncent une énorme tempête sur la région. Vous voyez ce grand entrepôt, là-bas? Hein? Il appartient à l'un de mes oncles. Kong y tiendra facilement? Oh, j'ai connu des endroits plus confortables. On peut pas tout avoir, ma jolie. Pour passer incognito, vous allez devoir vous déguiser. Mon pote de la mairie a réussi à m'avoir deux invitations. Super. Vous entrez dans le musée après moi et on se retrouve à l'intérieur. Il va nous manquer une invitation. Je sais, Kong, mais tu dois rester ici pour le moment. Oh, fais pas la tête, la peluche. Si De La Porta veut pas nous rendre les pierres sacrées, tu pourras toujours nous aider à le convaincre. Un peu moins fort, Kong. On est à New York. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Comment vous me trouvez? Wow! Oh. C'est du renard argenté, madame. Je peux pas le croire. C'est une horreur. Loua, je crois que nous devrions y aller. Non, un instant. Mais madame... Écoute-moi, tu as entièrement raison. Mais ce n'est pas le moment de nous faire remarquer. Ce cher Jason Jenkins, je savais qu'il viendrait. Belle exposition, n'est-ce pas? Professeur De La Porta. Le jeune Jason Jenkins, que diriez-vous d'une petite visite personnelle? Oh, mais ce serait avec plaisir. Voulez-vous vous joindre à nous? Thank you.
Tiens, 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 ils sont tous là. Devant l'importance de la tempête de neige annoncée, les autorités conseillent aux habitants de ne pas sortir. Commerce et administration fermeront leurs portes beaucoup plus tôt. Ceci est absolument passionnant, professeur. Mais nous allons rentrer. Avec cette tempête de neige, nous ne voudrions pas rester bloqués. Mais bien sûr. Jason, je t'ai réservé le meilleur pour la fin. Et tu n'as pas encore trouvé Jason ? Non, aucune trace. Pourtant, il devrait être ici. As-tu connecté l'appareil du docteur Jenkins ? Bah non, je n'ai pas vu de borne pour me raccorder au système. J'en ai repéré une, juste derrière cette statue là-bas. Oh, ça marche! Ah, les voilà. Au travail, maintenant. Oh, oh, oh. Oh non, je n'ai plus le signal. Pas une seconde à perdre. Je dois prendre le contrôle du système du musée. Jason! Jason! Je n'obtiens aucune réponse. Oh. Appelle le docteur Jenkins. Hey. Docteur Jenkins! Docteur Jenkins! Non, mais oui, mais je ne reçois rien non plus. C'est comme si les fréquences étaient brouillées. C'est pas normal. Retrouvons Jason au plus vite. Ah! Quel plaisir de t'avoir ici, mon jeune ami. Alors, Jason, quels sont tes projets pour l'avenir? Tu as toujours été mon plus brillant élève. Tu sais, tu pourrais devenir mon assistant, mon digne successeur. Oh, mais enfin... Pas question. Nous n'employons pas les mêmes méthodes. Les plus grands musées du monde ont été créés par des hommes comme moi. L'archéologie me fascine également, mais pas pour les mêmes raisons que vous. Oh, rends-toi la raison. Toi et moi, nous sommes de la même trempe. Pourquoi ne te joins-tu pas à moi? Vous oubliez les pierres sacrées. Oui, les pierres sacrées. Voudrais-tu les voir? Suis-moi. Bien. Je suppose que ces déguisements ne nous sont plus d'aucune utilité. Oh, Tan, qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre. Du gaz soporifique? On a intérêt à ne pas traîner dans le coin. Elle ne devrait pas se trouver ici, professeur. Te rends-tu compte qu'il s'agit là de la dernière grande énigme archéologique? Joins-toi à moi, Jason. Tu partageras leur pouvoir avec moi. Hors de question. Je croyais que vous vouliez la paix et restituer les pierres à l'île de Kong. Mon petit bonhomme, les pierres sont à moi et je les garde. Et avec ton aide, je vais récupérer celles qui me manquent. Belle bête, n'est-ce pas? Grâce à mes compétences en cybertechnologie, j'ai réussi à fabriquer cette créature biomécanique. Elle va défier ton singe. Confisqué! À présent, la partie peut commencer. Professeur Jenkins, quel plaisir! Dites-vous bien que ce n'est pas réciproque. Alors, que voulez-vous?
Je vous échange votre Jason chéri contre toutes les pierres encore présentes sur l'île. Qu'en dites-vous, cher ami? On fait affaire? Non, grand-mère! Non. Docteur Jenkins, ne me forcez pas à faire du mal à votre petit trésor. Elle va céder. Elle n'a pas le choix. Voyons s'il y a une solution. Nous sommes pris en piège! Oh. Oh non! J'espère que le docteur Jenkins va réussir à nous localiser! Kong! Frasetti, tu m'entends? Notre invité est arrivé. Un mot de passe. Essayons, pierre sacrée. Oh, non valide, essayons autre chose. Le spectacle à ton goût, Jason. Face à lui, ton babouin n'a aucune chance. Où sommes-nous? Allez, debout, le professeur vous attend. Ça me met pas vraiment à l'aise de savoir qu'il y a un gorille géant dans le musée. Souviens-toi que tant qu'on reste ici, on ne risque rien. Alors détends-toi. Soyez sages, les sous-fifres. Maintenant, il faut retrouver Jason. Ton gorille ne ressortira pas vivant d'ici. Et si j'essayais Kong? Oui, ça marche. Tan, Tan, tu me reçois? 5 sur 5, Docteur Jenkins. Jason est retenu prisonnier dans la salle de contrôle. Suivez mes indications, je vous guide. À l'appel, et les prisonniers sont introuvables. Oh, coucou, nous revoilons. Ah, Kong a besoin de nous. Ça y est, je sais où ils sont. Et lui,
Qu'est-ce qu'on en fait? On n'a pas le temps de s'occuper de lui! Par là! Restez en arrière! Jason, au moment de la fusion, le protecteur est vulnérable, c'est bien trop risqué! Alors, où en étais-je? Dan, il faut faire diversion! Oh. Bravo, Kong, bien joué! Ce n'est pas le moment de dormir. On a encore les pierres sacrées à récupérer. Si vous croyez que vous pouvez sortir d'ici... Jason, tu m'entends? Oui, grand-mère. Nous sommes perdus. Utilise l'écran virtuel. Je t'envoie la nouvelle configuration des lieux. Dépêchez-vous de sortir. La sortie est... par là! Grand-mère, nous sommes pris au piège! On dirait qu'un pirate s'est introduit dans mon système. Je vais lui donner une bonne leçon. Oh, les pierres sacrées! C'est le moment ou jamais! C'est moi qui contrôle ce qui se passe dans mon musée! Il ne va pas pouvoir le tenir encore bien longtemps! C'est ça, vas-y! Montre-leur qui est le maître ici! De la Porta prépare quelque chose. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. J'ai réussi à saturer le système du musée. Vous n'avez que quelques minutes pour sortir de là. Dépêchez-vous. Mais nous avons presque atteint notre objectif. Vous n'avez pas le temps. Compris. Tout le monde au monte-charge. Quelle chance! Grâce à cette tempête, personne n'a vu Kong. Ouais, mais nous n'avons ramené ici aucune pierre sacrée. Il ne faut pas être défaitiste. Il est très difficile de battre un adversaire sur son terrain. Peut-être, mais une occasion comme ça ne risque pas de se représenter de sitôt. Nous devons apprendre à être patients. Nous avons percé l'un de ses secrets. Et il faudra bien qu'il sorte un jour de sa tanière s'il veut découvrir le pouvoir magique des pierres sacrées. Oui! Et là, nous serons au rendez-vous.